Con la raccolta dell'erbaluce parte ovviamente l'inizio del processo di vinificazione. Après la récolte de l'herbaluce, on passe ensuite évidemment à la vinification. Normalement, le raisin est déversé dans un pressoir. C'est la technique que l'on utilise aujourd'hui. Et le moût obtenu est versé ensuite dans des cuves. Après cela, en régulant la température, débute la fermentation, car on sait que celle-ci démarre à une température de 20-22 degrés. E quindi si avvia la fermentazione in quella maniera lì. Quello che noi facciamo nel nostro processo è leggermente. En ce qui concerne notre production, nous appliquons une méthode légèrement différente. Noi diraspiamo, quindi significa semplicemente separare. On procède à l'éraflage, c'est-à-dire que l'on sépare la rafle des grains. Les grains sont versés dans une cuve où ils demeurent pendant 36 heures à la température constante de 10 degrés. Dopodiché c'è una svinatura che vuol dire spillare il mosto che si è già. On effettue ensuite un soutirage du moût qui permet de le séparer de la peau qui passe ensuite au pressoir. E la buccia va in torchiatura. Piccolo inciso, noi siamo ancora fra questi. On fait encore partie des rares viticulteurs qui utilisent le pressoir vertical traditionnel, le même que celui que l'on utilisait il y a deux siècles. E quindi facciamo la torchiatura. Dopo la torchiatura andiamo in una insieme. Le produit de pressage est versé dans une cuve où il est mélangé au moût qui a été soutiré auparavant. Le tout étant refroidi à 0 degré pendant environ 36-48 heures, dans le but de mettre le moût au propre en faisant précipiter les particules en suspension. On obtient ainsi un moût sans dépôt indésirable. Il freddo fa precipitare le sospensioni. Quindi con 36-48 ore di freddo a 0 gradi. Abbiamo un mosto pulito separato dai sedimenti. Il pulito si travasa, va in una cisterna diversa. La partie propre est versée dans une autre cuve, alors que les lies sont éliminées et destinées à la distillation. Quel mosto pulito che oramai è trasparente come se fosse un vino finito. Le moût, qui durant cette étape est devenu aussi limpide que du vin, est laissé dans la cuve pendant 2 jours environ à une température de 20-22 degrés, afin de faire démarrer la fermentation, qui poursuit ensuite en régulant la température en dessous de 18 degrés, pendant tout le mois de décembre ou même janvier. La fermentation normalissima su un mosto già pulito. La fermentazione può durare a temperatura controllata, perché se non ci fossero controlli di temperatura, la fermentazione fa salire fino a 35, potrebbe arrivare a 35 gradi la temperatura di fermentazione. La fermentazione lenta ha pour but de ne pas faire évaporer les parfums du moût. Une température qui dépasse 30 degrés aurait l'effet contraire. En entrant dans la cave, l'air serait empli des délicieux parfums du moût. Mais le vin en deviendrait très pauvre. La température contrôlée de la fermentation permet justement de ne pas faire volatiliser les parfums que le vin contient. Così non controllata che può arrivare sopra i 30 gradi porta i profumi a uscire in atmosfera. Noi entriamo in cantina, sentiamo un gran profumo di mosto piacevolissimo, se non che poi non lo troviamo più nel vino. La fermentazione a temperatura controllata ha proprio lo scopo di non disperdere i profumi che restano in quel modo lì nel vino. Quindi vino finito a gennaio. Le vin est donc terminé en janvier et on pourrait effectuer sa mise en bouteille dès février ou mars, comme on le fait d'habitude pour les vins blancs. Febbraio-marzo, come si usa fare normalmente per i bianchi. En ce qui nous concerne, nous essayons par contre de repousser le plus possible la mise en bouteille. Cette année, par exemple, nous l'avons effectuée à la veille des nouvelles vendanges. Car en ayant toujours effectué 2 ou 3 mises en bouteille, une cuve après l'autre, nous avons constaté que la mise en bouteille effectuée en dernier produisait toujours un meilleur résultat. Abbiamo sempre verificato che l'ultimo di questi 2 o 3 imbottigliamenti è sempre stato quello che ci dà risultati più soddisfacenti. Noi da qualche tempo facciamo delle verticali, che significa stappare bottiglie
Depuis quelque temps, nous menons des dégustations verticales, en goûtant toutes les 10, voire 12 dernières années de nos vins. Nous avons constaté qu'un Erbalucce bien fait peut tenir tranquillement 7 ou 8 ans. De 8 à 12 ans, le vin commence à montrer quelques défaillances. Mais jusqu'à 8 ans, il s'améliore d'année en année. Défaillance. Mais fino a 8 ans, siamo sicuramente. Oseremmo dire in miglioramento di qualità.